Pour mettre un auxiliaire inactif, il suffit de vous rendre dans « Auxiliaire », puis dans la catégorie d'auxiliaire où vous voulez en mettre un inactif. Vous choisissez ensuite l'auxiliaire à inactiver, puis vous n'avez qu'à cocher « Inactif » juste en dessous du nom. Une fois que vous aurez sauvé, puis fermé la fenêtre, si vous y retournez, l'auxiliaire ne sera plus dans la liste déroulante. Pour pouvoir l'apercevoir, car il reste toujours à cet endroit, vous devrez aller cocher tous les auxiliaires et les auxiliaires inactifs vous seront affichés. Vous pourrez toujours décider de le réactiver en cas de besoin.